but en sélection. Ah, ça fait plaisir, hein. Ça fait plaisir, mais bon, on n'a pas gagné le match. On voulait à tout prix gagner le match pour se rassurer parce qu'on voulait reprendre une dynamique positive. Mais ça fait plaisir, voilà, d'avoir marqué, d'être revenu au score. Voilà, on est plutôt content, mais bon, après, voilà, on voulait absolument la victoire et ouais, malheureusement, on n'a qu'un match nul. Il y aurait eu un meilleur moyen de se rassurer, c'était la victoire. Voilà, on est tous un peu déçus de ne pas avoir eu cette victoire-là, mais voilà, c'est comme ça, c'est le foot. On a tout donné et on lâchera rien de toute façon jusqu'au bout. Marcelin, vous venez de jouer quelques minutes, on va dire, face à la Zambie. Vous avez quand même fait une prestation assez remarquable ce soir. Ah ouais, tout d'abord je dois remercier le coach de m'avoir fait confiance pour ces quelques minutes. Il fallait donner, même si j'ai fait le peu, j'allais faire plus, mais on a encore beaucoup de matchs à jouer, c'est un match amical. Donc voilà, je remercie Dieu pour l'égalisation d'abord, parce que c'est très important. Si on n'avait pas égalisé, j'imagine, le moral pour le prochain match. Mais c'est bon, nous allons travailler encore pour pouvoir gagner le prochain match. Toujours face à la Zambie en amical, ça finit presque comme d'habitude sur un 2-2. Ouais, bah, faut savoir que c'est une équipe qui ne nous réussit pas trop. Mais bon, après, voilà, c'est une bonne équipe, ils ont bien couru. Faut savoir que c'est un contexte particulier, c'est la fin de saison, il y a plein de choses qui sont différentes. Mais voilà, c'est un bon match de préparation si éventuellement on doit jouer contre la Sierra Leone. Donc voilà, on s'en sort avec un bon match nul, je pense que c'est mérité aussi quand même. Allez, est-ce que ça vous a permis de vous mettre en route par rapport à cette éventuelle explication face à la Sierra Leone dans quelques jours? Est-ce que ça vous permet de mettre vraiment les bases? Parce que ça fait quand même quelques jours que vous n'avez pas joué de match véritablement. Bien sûr, oui, c'est vrai que ça nous permet justement de préparer cet éventuel match, on ne sait pas. Ce n'est pas évident, vous savez, pour nous, dans nos têtes, de savoir si on joue ou pas. En tout cas, on a voulu jouer le match à fond, c'est ce qu'on a fait, contre une bonne équipe zambienne qui a bien défendu. Maintenant, voilà, on va se concentrer maintenant sur la suite. Et je pense que voilà, on peut se satisfaire de ce point-là, de ce match-là. Sachant que bien sûr qu'il y a des choses à revoir, mais voilà, au moins on est prêt et puis on sait à quoi s'attendre. Bonsoir Moïse. 2-2, comme d'habitude, on dira face à la Zambie en amical. Ouais, on voulait gagner avant le match du Sierra Leone. Et au moins, on n'a pas perdu. On perdait et on est revenu au score avec notre force. On a été patient et on est content de ça. Allez, on vous a vu sortir après un coup. Il n'y a rien de grave, j'espère. Non, il n'y a rien de grave. C'est juste sur le coup, j'ai pris un coup à l'œil. Et quand je clignais des yeux, je voyais flou. Donc j'ai préféré ne pas prendre de risques. Et voilà, laisser mon équipe dans de meilleures conditions. Allez. Est-ce qu'on aura un but de Moïse face à la Sierra Leone, un peu comme à la CAN? Ah, pourquoi pas. Allez. Kourounou rénové, qu'est-ce que ça fait? Ah, vraiment, ça fait du plaisir de revoir Kourounou et le public, ça fait vraiment plaisir. Allez, 2-2 finalement, on aurait bien voulu avoir une victoire, malheureusement. Ça se sera pas un match nul à nouveau face à la Zambie en amical. Oui, oui, on aimerait bien finir par une victoire, mais à défaut de la victoire, on a pu obtenir un match nul. Et on ne peut que se contenter de ça et continuer pas à travailler. Est-ce que les Zambiens deviennent notre bête noire? Non, on ne peut pas dire ça, parce qu'on a fait une bonne première mi-temps. Je peux dire, voilà, on a manqué de concentration sur les coups de pied arrêtés. On a perdu des ballons dans les zones où il ne fallait pas. Voilà, on l'a payé cash, c'est ça, c'est-à-dire au haut niveau. Quand tu perds ce genre de ballon, ça se paye cash. Et voilà, on n'a pas été concentré sur le coup de pied arrêté qu'ils ont eu. Voilà, ils ont eu beaucoup plus de chance ce soir. Mais quand même, c'est une bonne équipe qui est athlétique, on le savait. Et voilà, ils ont beaucoup couru, ils nous ont fermé les espaces. Mais nous, on a essayé quand même d'être solide et voilà, d'essayer de les battre. Mais enfin, c'est parti remise, comme on le dit. Allez. Est-ce que ça nous permet aussi de poser les bases par rapport au match de la Sierra Leone qui va venir en début de semaine prochaine? Oui, déjà, il faut vite se remobiliser. Voilà, ce match nous a permis de voir déjà nos imperfections. Ça va nous permettre aussi de les corriger à l'entraînement. Voilà, et à nous maintenant de progresser comme on le dit. On travaille bien avec le staff technique, avec l'entraîneur. Et voilà, on va essayer de progresser, de mieux nous préparer pour la rencontre décisive face à la Sierra Leone.